Eh bien, salut tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour du Mafia 3! Et en recrutant Cassandra, vous avez obtenu l'accès à son associé trafiquant d'armes. Ouais. Boutique ambulante d'armes. Qu'est-ce que t'attends? Donc du coup. Montre-moi ce que t'as. T'es qui? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce camion? Alors, il a que ça? Alors, fusil à pompe, arme de poing, arme automatique. Ouh, arme spéciale. Ah d'accord, bon. On peut pas les débloquer pour l'instant. Du coup. Fusil à pompe. Donc apparemment, je peux recharger mes armes. Donc. Ah, on dirait que les armes déjà obtenues, on n'a pas besoin de les acheter. Ok. Par contre, les armes de poing, il y a quoi? Wow, c'est cher. Bon. Finalement, je prendrais bien une Thompson. Vas-y. Il s'est passé quoi avec le magasin? Le gouvernement m'a fait fermer. Ils veulent pas que les nègres achètent des flingues. Ils croient qu'on va commencer à dégommer les blancs ou je sais pas quoi. Fils de pute. Alors dis-moi tout. Dis-moi si tu veux quelque chose. Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On va aller parler à la voix de Delray. Allez, on y va, Lucette. Il est loin la voix? Non, il est pas loin. Casse-toi là, c'est moi le patron ici, ok? Alors, elle est où la voix? Lincoln, ça me fait plaisir de te voir. Lavo, ça faisait longtemps. Je m'attendais pas à te voir bosser avec les Haïtiens. C'est ça, ou s'incliner devant ces sales trous du cul de sudistes. Et tu sais bien que c'est pas mon genre de faire la révérence. Ça, c'est bien vrai, putain. Cassandra a appelé pour dire que t'allais t'occuper du père là. C'est ce connard de merde Jackson qui est aux commandes. Il a transformé l'établissement en bordel. Et ils laissent les bons faire ce qu'ils veulent à nos sœurs. Comment je le retrouve? Non, fais pas ça. Pas encore. La plupart de ces enflures de Dixie veulent se la jouer discret. Ils ont peur qu'on leur colle une balle dans le cul. Si je le mets dans la merde, il devra bien se montrer pour traiter avec moi. Je crois que je sais comment tu peux attirer son attention. Ils gardent des filles au deuxième. Elles peuvent pas sortir. C'est pur sang, ils les appellent. Ils les dopent avec tout un tas de merde. Elles lui rapportent un max. Rentre en douce et sors-les de là. Je te tiens au courant dès que c'est fait. Ça m'a fait de la peine d'apprendre pour Sammy et Elise. Ils ont toujours été réglo avec moi. Prostitution. Libérer. Ah, je dois faire des dégâts. Chaque trafic a son point faible. Si un trafic n'arrive plus à générer des profits, le boss trafic devra se montrer au grand jour pour prendre ses mesures. Atteignez Merle en sabotant son réseau de prostitution. Ah, ça me plaît ça. Elle me plaît bien cette mission. Tu m'excuses, je prends ta caisse. Bah, ça a du mal. Je me demande qu'est-ce que ça donne le jeu en mode réaliste avec la conduite. Vous croyez que je pourrais devenir le patron de ce bar de prostituées? C'est cool. Alors, nous y voilà. Tiens, il s'était fait le gars. C'est d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il ait pris ses armes. Salut. Monsieur Lavo m'avait prévenu que vous viendriez. Les filles sont à l'étage, mais attention, les hommes de Merle sont partout. Merci pour le tuyau. C'est ce que c'est faire d'eau, je coupais. Du coup, comment ça marche? La première fois que je fais un mafia, donc je sais pas sur ce
pour ce genre de mission, comment ça se passe? Est-ce que je dois aller sur les côtés ou autre? Seigneur Jésus! Oh, regardez-là! Alors, moi, je ne peux pas passer par là. Il se passe quoi si je me mets? Désolé, mec. Est-ce que vous pensez que je peux lui piquer son fric? Est-ce qu'il y a moyen de sauvegarder? Ah, c'est ici que je dois faire les dégâts! La radio. Mais c'est ma radio, putain, pas celle d'un nègre de merde que personne connaît. Je sais pas trop quoi te dire. Hein. C'est peut-être l'occasion d'apprendre à lire, tu crois pas? Et puis j'ai peut-être tripoté par un millionnaire, chérie. Donc il y en a trois, là. Ça va, madame? Ouh! Allez. Des nichons. Paire de titis. Madame, vous êtes pas en train de faire quelque chose ici, j'espère? Non, ça va. Apparemment, il y a un jet barbal là-bas. Ce que je vois. Je vais ici. Yeah, veste tactique obtenue. Je suis pas sûr qu'on en aura besoin perso pour l'instant. J'oubliais que toi aussi t'as grandi dans le coin. Ça fait 4 générations que ma famille habite là. Et je plaisante pas, leur resto Mickey est allé, c'est le top. Leur gombo vaut celui de ma mère. Je parie que c'était une putain de cuisinière. Hein. Ça ouais, son gombo, son jambalaya, ses haricots rouge au riz. La mienne, elle a jamais été foutue de cuisiner. C'est sûrement pour ça que t'as que la peau sur les os. C'est sûrement pour ça que tu vas mourir. Gambaleo, Gambaleya. Comment est-ce qu'on fait les dégâts là? Parce que là, je suis en train de piquer plein de trucs, mais... J'adore, je suis en train de flinguer des gens, ils en ont rien à foutre. Mais limite, rien à foutre, quoi, c'est grave. Faut qu'on s'en aille, on doit partir. Eh, où tu cours comme ça? Ça te dirait de passer du bon temps? Ouais. Désolé. Ils allaient... Je ne vais pas me laisser bouffer par cet endroit, chaque chose en son temps, mais je reverrai ma famille. Sortant d'ici, va trouver Cassandra au cœur transpercé. Elle t'aidera.
Pars, ma pure sang. Pourquoi tu as une arme? Ah là, les petits armées qui ne sont pas des bonnes. Facilement. Toute femme dans le besoin peut se rendre à la boutique le cœur transpercé. Merci. Beaucoup. Bien sûr que je présente. Je fais tout ce que tu veux. Bah, je la partage. Alors. Dites à Charlie que la semaine a été excellente, Ronnie a vendu pour 5 000 $ de cam et Jen a ramené pas loin de 7 000. Avec ça, devrait nous foutre la paix. C'est vrai. Excusez-moi, monsieur. Je sais pas si vous étiez innocent de toute façon, donc je ne prends pas de risque. Y'a personne ici? Qu'est-ce que je t'embrouille? Pourquoi y'a personne ici? Ah, par contre, y'a des thunes derrière le bar. Vite, 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 vite. Les thunes! Les thunes! Les thunes! Hey mec, du calme. Faut vraiment que tu la joues moins bourrin. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ce fils de pute fait comme si c'était moi qui l'avais rendu accro à l'héros. C'est pas une raison pour lui foutre une branlée. Écoute, le vieux négro qui dirigeait Del Rey faisait qu'un truc de bien. Il tenait tout le monde par la bride sans faire trop de vagues. Richie aurait intérêt à s'en inspirer. Ouais, bah compte pas sur moi pour lécher le cul d'un nègre, rien que pour vendre un peu de cam. Tia quand même. Mais cette Tia, comment elle est en mousse? C'est hard. Bah du coup, elle est où la dernière fille que je dois sauver là? Parce que là, je suis en train de flinguer tout le monde, mais je sais toujours pas où est la fille. Comment est-ce que je peux faire du dégât là? Parce que j'aimerais bien faire du dégât, mais je sais pas comment le faire. Imaginons que je prends mon arme, je tire là-dedans. Ça fait rien. D'accord, donc vous êtes en train de me dire que les dégâts c'est juste voler de l'argent? Non, quand même pas, ce serait dommage. Donc là j'ai flingué tout le monde, donc c'est un peu dommage aussi. C'est jamais que j'ai loupé des thunes quelque part. Là, je vois que j'ai loupé une petite liasse de billets. Non? Ah non. Bon, on va descendre pour voir. Non, je suis pas satisfait là. Je ne suis absolument pas satisfait de ce qui se passe. T'es pas content que j'ai tué tout le monde? Oh, je sais pas, je vois pas ce que j'aurais fait plus en fait. J'ai l'impression de déjà avoir tout fouillé. Alors, à moins que j'arrive à faire exploser ce camion là, bon, je doute. Honnêtement, je doute, mais bon.
pas grave, hein, on découvrira vite fait comment... comment on doit faire les objectifs dans le jeu. Neutralisation brutale. On s'en aille. On doit partir d'ici. Pardon. À terre. Honneur aux anciens. Honneur aux quoi? Enlevez-vous de là. Je crois qu'on devrait partir. Allez, vous devriez partir, parce que sinon je vais devenir fou, j'ai tué tout le monde. Appelez la police. Ouais. Laisse-toi. Tiens. Venez vous battre! Appelez la police! Qu'est-ce qu'il mérite? Laissez-moi passer! Barrez-vous de là! Oh merde! Dégagez! Vite! Je vais foutre le bordel dans votre zone! Oh bon. Merde! Je vois pas ce que je pourrais faire de plus vers ça. J'ai pas trop envie de chercher donc. Je me casse. Là. Je me tire. On va retourner voir la demoiselle. Voir la demoiselle. Pourquoi il me demande d'aller à Sylvia là? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il me demande d'aller là? J'ai un petit quelque chose pour toi. Comme tu passes tes journées à cavaler, je me suis dit que ça te faciliterait la vie. Tu peux te servir de ça pour appeler des renforts. Moi qui te prenais pour un pauvre égoïste. On en reparlera. Au fait, Miss Lancaster est déjà au parfum et prête à y aller. Attendez, je comprends plus rien. J'ai une radio portable, ok, on est d'accord. Elle me sert à quoi? Oui, mais c'est trop tard, j'ai déjà fait la mission! J'ai déjà fait la mission! Ah, ok, c'est juste pour ça. Ma foi. Allez, on va aller voir. Si on a accompli l'objectif ou si le jeu va nous dire. Hey non, t'as pas fini, il te reste 3 250 $ de dégâts à faire. Bon, on verra bien. Je suis pas habitué des mafias, je sais pas forcément ce que veulent dire les objectifs. Donc. Oh, regardez, il a une nouvelle caisse maintenant. Ah non, c'est la même en fait. Lincoln, ça me... J'ai libéré ces femmes. Putain, j'ai rarement vu un endroit aussi glauque. Ça fait mal au cul de voir ce que ces crevures de pecno sont en train de faire. Dès que je mets la main sur Jackson, j'en finis avec tout ça. Merle a envoyé des Macs dans tout Del Rey. Il veut rattraper la thune qu'il a perdue. Liquide-les, et il pointera son nez au club. D'accord. Quand on aura fini avec eux, reviens. Je saurai si Merle s'est ramené au club. Ok, donc maintenant, je dois aller... Alors, tableau objectif, appuyez sur tabulation, cliquez... Oui... On va aller, on va aller tuer les Macs, hein. Macintosh! Et je te vois une deuxième bagnole. De toute façon, je t'en ai laissé deux là. Ah, ça va, je conduis bien. Oh, oh. Donc, apparemment, le Max se balade là. Ouh, d'accord, ils sont un peu partout là, je crois.
la transgression de territoire. Désolé. De bouger là. On a envisagé de déménager il y a quelques temps, mais où est-ce qu'on serait aussi bien qu'ici? Plus rien à gagner. Quand vous aurez suffisamment fait des gars, retournez voir la voie, ok. Ah non, je suis désolé, je vais d'abord toutes les tuer. Je vais d'abord tuer tous ces enfoirés de Mac. Oh merde, voilà. Hein, je suis désolé, je sauve les femmes. Je vais sauver ces demoiselles, vous allez voir. Foutez le camp! Eh bien, j'ai pour mission de sauver ces dames. Les négros sont de plus en plus nombreux chaque jour. Je les flinguerai tout jusqu'au dernier. Enfoiré. Vous avez pas honte. Faut que nous en aille. On doit partir d'ici. Voilà, problème réglé. C'est bon. Du coup, j'ai loupé quoi ici? Ah, elle est belle l'affiche. J'aime bien. Ah, il y avait de la tutune ici. Les filles, arrêtez de pleurer. Vous êtes tous tués, vous pouvez vous barrer maintenant. Oh là là. Je vous jure, tu veux aider les dames? Eh, qu'est-ce qu'elles font? Elles font que cuiner et chialer, quoi. Oh là là. J'ai même pas eu besoin de tirer, quoi. Faut dire, l'IA est pas très fut-fut aussi. Hein. Je crois que j'ai rarement vu ça. Vous imaginez quand même, t'arrives et pouf, 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 et voilà. Et ça fait pouf, pouf, pouf. Et ça fait pouf, pouf, pouf. Et regardez, il a déjà commandé sa nouvelle voiture et tout, il l'a eu dans la minute. Hein. Ah là, les services américains à l'époque, c'était beau, c'était puissant, c'était magnifique, c'était rapide. Surtout fais gaffe à toi, hein. Alors, oui. Merle se terre au père là. Pareil qu'il crève de rage. J'aimerais bien voir sa tronche à ce connard. Qu'on se mette bien d'accord, ok? Une fois que je suis dedans, je descends tous les connards qui se mettent sur ma route. Personne va pleurer pour ces salauds. Fais comme tu le sens. À la prochaine, Lavo. J'ai presque envie de l'appeler Lavabo, lui. Par contre, je sais pas pour vous, mais il me rappelle un acteur, ce mec. Ou du moins... Ah, mais oui... Ah, j'ai plus son nom. Il est souvent sur Nangag, en plus, ce mec. Genre, où est-ce qu'il faisait une espèce... Je crois qu'il faisait un espèce de show télévisé ou un truc dans le genre. Ah... Même, je me rappelle d'un mème sur lui où est-ce qu'il avait demandé à deux mecs c'était quoi encore le truc donner, je crois que c'était donner le nom d'un des sept nains dans Blanche-Neige par rapport aux performances sexuelles de votre femme au lit. Des conneries dans le genre. Ouais, ouais, il lui ressemble un peu, je sais plus son nom. Il est ultra connu en plus, c'est ça le pire.
mais en même temps, j'ai pas une très grande mémoire. C'est limite d'un poisson rouge, la mémoire. Bon. Ah, du coup, appelez les associés. Oui, c'est bon, oui. Oui, c'est bon, pas à peine de me le dire deux fois, je sais comment. J'ai besoin de matos. Il paraît que vous êtes l'homme de la situation. Cassandra a dit que tu risquais d'appeler. J'aime bien apporter mon aide, mais je fais pas la charité non plus. Si tu veux quelque chose, dis-le-moi. D'accord, tu t'arrêtes en plein milieu de la route, toi, à l'aise. Montre-moi ce que t'as. Ah, au moins. Stabilité, bof. Qu'est-ce que je pourrais m'acheter avec l'argent que j'ai là? J'aimerais bien un gros calibre. Genre un gros calibre de poing, mais. Ah, mais non, c'est bizarre. Ah, mais non, c'est parce que lui, c'était un pote, c'était un copain, d'accord. Non, on va envisager. Non, on n'a pas besoin de quelque chose, là, j'ai l'impression. Je pense qu'on va bien s'en sortir. Hein. Bon, vous savez quoi? Dans tous les cas, il n'y a rien qui change ici. Bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça. T'inquiète, j'en ferai très bon usage. J'ai encore du mal à croire qu'un connard de Bangoula ait les couilles de s'en prendre à nous. Je pensais qu'après Samy, il se serait calmé. C'est rien que des négros du coin qui s'énervent. Et puis t'en vois dans les environs, là? Crois pas. Apparemment, celui-là, rien ne l'arrête. C'est le diable en personne, ce con. Arrête de boire ton torboyau. Personne m'arrive à la cheville. Ils sont où? Plus personne, on dirait, ici. Mais j'ai envie de dire... Ah! Il m'a touché 12, connard. Voilà, on va passer par l'autre côté. Merde, je dois recharger! Merde, je dois recharger! Mais il est où? Je le vois pas. Il nous a filé sous le nez, bordel! Va voir s'il est pas retourné là-bas! Tu peux me croire, enfoiré, on va te retrouver! On va voir si vous allez me retrouver. Hein. Tu peux me croire, enfoiré, on va te retrouver! Bah, j'aimerais bien vous croire, ouais. Quelque chose cloche ici. Je le vois, je t'ai vu. Ça se vit la fétille. Lui, il avait un icône spécial sur la tête, je sais pas si vous avez remarqué. Il avait une icône de genre, tu te touches une fois, t'es mort, en gros. Faut se mettre à couvert. Ils sont où? Je peux entendre un mec dans l'escalier. Comment on a pu le perdre? Va voir ce que tu peux trouver. Je sais où il est. Vas-y, j'ai cet enfoiré. Ta gueule. Allez. Oh merde. Bougez-vous, bande de larves! Je vais me tirer dans un coin! Qui fait?
Pas sûr que je risque grand chose pour l'instant. Cette putain de lavette s'est tirée. Va voir s'il est pas retourné là-bas. Je vais continuer à te chercher, mon garçon. À la fois. Il doit sûrement y avoir des gardes ici, c'est obligé. C'est quelque chose. Ça fait mal quand on tire dans le dos, hein? Connard. Comme il est dit dans la Bible, rat... Tue le boss, Rafik. Neutralise le boss, Rafik, hein. Conte-moi encore une fois comment un foutu négro a pu se balader ici sans avoir le moindre problème. Je t'écoute. Désolé, merde, j'étais pas sur place. Je fais que... Je me planque derrière un truc. Va voir ce que tu peux trouver. Cette enflure débarque sans carton d'invitation. C'est qu'il y a moyen que je le chope d'ici. Alors, tu vas faire quoi, le négro ? Ça. Ouh ! Boss épar... Quoi, on peut épargner le boss ? Deux poupées émi-hurlantes seront ajoutées à votre inventaire. La petite distraction... Ok. Bon. On a chassé ces enfoirés de Dixit chez Perla. Demande à tes hommes de boucler les lieux. D'accord. Mes hommes vont aller s'occuper des lieux. Fais sortir ces fils de pute de Dixit retranchés dans l'église. Et Richie devra riposter. En 1966, le FBI m'a recruté à la sortie de la fac. J'ai d'abord été affecté à Atlanta, puis on m'a transféré à New Bordeaux début 68. J'y suis resté jusqu'en 86, quand j'ai été promu directeur adjoint de la section crime organisé. Je suis resté au FBI jusqu'à ma retraite en 1999. On raconte énormément d'histoires sur Cassandra. Enfant, elle aurait été enlevée, tuée et ramenée à la vie par un prêtre vaudou. Elle aurait assisté au viol et au meurtre de sa sœur par des malfrats. Elle aurait abattu son propre père et abandonné son corps dans les marais. Bien sûr, impossible de démêler le vrai du faux. Ça m'étonnerait que ça change de si tôt. Donc le Billy m'a dit qu'il t'avait donné un coup de main pour t'en sortir, il y a un bail. Trésor. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas vu ton oncle. Si j'ai des préjugés, intéressé au genre de fille qu'on ramène. C'est juste que je me sens jamais bienvenue dans moi. Possible. Pardon, grand-mère. Hey, j'avais monsieur Clay, idée de ce qu'il on a de la super musique. La meilleure de toute la ville. Zémi hurlante. Tu disais la Zémi hurlante pour faire diversion auprès de certains groupes d'ennemis. Vous... What? Ça leur a chié ce machin. Non mais j'ai pas envie d'un. C'est sur la voie de Delray que ça se passe. On a parlé de se remettre là, ce que j'aimerais bien, c'est trouver un coffre. Parce que là, ça a devenu une planque, mais la question, c'est peut-être une. Ah. Ah, d'accord, ça fait des gains ce machin. Ça pour toi. Tant que j'y suis, j'aurai 2-3 mots à lui dire à l'oncle Billy. Bon, du coup, je vais aller à la planque vite fait. Histoire de pouvoir déposer un peu d'argent. Parce que là, il y en a un peu beaucoup sur moi.
je pense qu'on va s'arrêter là. Le prochain ennemi sera pour la prochaine vidéo. Par contre, on s'est pas TP directement, genre de point. Non. Ouais, comme j'aurais pensé. Ouais, j'ai pas respecté la voiture, je crois. Bon, du coup, le coffre. Vas-y, mets tes sous-sous. Voilà. Ah, d'accord, le petit ancrage, c'est le... D'accord, ça explique bien les choses. Bon, allez, loulou, sur ce, c'est ici. Prenez soin de vous, prenez soin de Rock'n'Roll. N'oublie pas d'avoir la... Oui, attitude. Comme d'habitude, avec j'ai trouvé pour le cul, ou quoi c'est la chanson, ou quoi c'est l'Erix, ou quoi c'est le dicton. Je vous laisse, je vous fais plein de poutres partout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti, et que l'amour du P.O.B.R. soit avec vous. Peace.